qu'il y avait des joueuses, des officiels, des arbitres, et dans l'intérêt, c'est donné, c'est parti. Allez, place au jeu, place au sport. Thank you.
de Nantes.
Bonsoir Thibault pour les infos du sport, je suis avec l'entraîneur de l'SBF. Alors quel est ton sentiment après ce match nul 25-25 face à Nantes? Ça a été un match plein d'émotions, donc là, juste à l'issue de la rencontre, on a une forme de déception parce qu'on a mené largement pendant le match, on était à 10 buts d'avance. Et c'est vrai que sur le coup du gong final, le match nul nous paraît un petit peu difficile, mais si on regarde bien la rencontre, c'était un match très engagé. Mon équipe Ancillon, qui est une joueuse en forme en ce moment, prend 3 fois 2 minutes, carton rouge, elle nous manque sur la fin du match. Et on est derrière au score sur la fin du match, donc c'était délicat d'aller chercher ce match nul. Et grâce à une superbe ambiance au Palais des Sports, qui était vraiment, je sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était vraiment la plus belle ambiance de la saison, on a réussi à revenir à égalité. Donc voilà, si on prend un peu de recul, je pense qu'on pourra en être satisfait. Alors la semaine prochaine, il fallait gagner à l'extérieur et après on attaque les Pédones. Oui, il nous reste un match en saison régulière face à Fleury, qui est un des cadors du championnat. On va aller jouer contre elle dans 2 semaines, chez elle. Ce sera un match difficile à gagner, c'est évident, mais aujourd'hui, l'équipe de Besançon, c'est une équipe qui est capable de faire des exploits. On l'a vu pendant la saison. Et pourquoi pas croire en tout cas en cette victoire à Fleury. Ça sera très très difficile, mais il faut partir toujours sur un match en essayant de le gagner. Donc on va tenter l'aventure à Fleury dans 2 semaines et on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, aujourd'hui, on risque de partir avec des points en play-down. Et ça, c'est déjà une bonne chose. On verra quel classement on finira sur cette phase régulière, mais on risque de partir avec des points. Donc voilà, l'équipe, elle est bien au Palais des Sports. C'est de bon augure pour la suite. J'espère qu'on continuera à avoir autant de monde au Palais. C'est vraiment un super soutien. Eh bien, merci. Ouais. Bonsoir Thibault pour les infos du sport. Je suis avec l'entraîneur de Nantes. Alors, quel est ton sentiment après le match nul 25-25 face à Besançon? Je crois, comme vous l'avez vu, hein, on est passé par tous les états, mais l'autre équipe aussi. L'état de l'avoir l'impression d'être dans le match, dans les 20 premières minutes. Et on a joué au coude à coude avec Besançon. On ratant beaucoup trop d'immanquables. Et puis, à un moment, quand on a commencé à se faire sanctionner à juste titre par les arbitres, on a eu un débours de 5 buts à la mi-temps parce qu'on a lâché un peu prise. Aujourd'hui, on a voulu ne jamais rien lâcher dans le match. Et la deuxième mi-temps, on a fait tout l'inverse. On a été timoré dans l'entame. Besançon était très décontracté, très relâché. Et ils ont marqué 4-5 contre-attaques de suite pour mener de 10 buts. Je crois que ça a été le moment où et la stratégie et aussi le fait que les joueuses n'aient plus rien à perdre, ça les a transcendées. Et puis petit à petit, c'est ce que je disais avant, les mouches, elles ont changé d'âme. C'était nous les ânes pendant 40 minutes et puis ça a été Besançon pendant 20. Et finalement, on a quelques balles pour gagner le match et ça se finit à match nul. Donc je dirais que tout le monde n'est pas heureux parce que je pense qu'on peut repartir d'ici avec une large défaite. Mais vu ce qu'on a produit les 20 dernières minutes, on aurait pu aussi repartir avec une victoire. Donc on va travailler pour essayer de gagner Nice et pour finir 7e. Eh bien merci, et puis on se reverra à Besançon pour les play-offs. C'est ça, merci à vous.